Monseigneur, nous vous souhaitons avec Monsieur le Doyen la bienvenue chez nous. Il y a 5 ans, vous étiez ici pour la cérémonie des confirmations et aujourd'hui, dans le cadre de votre visite pastorale dans notre doyenné, vous allez présider notre Eucharistie dominicale. Notre communauté paroissiale, comme celle de chaque dimanche, n'a rien d'extraordinaire. Elle est là devant vous, avec ses joies, ses peines, mais aussi avec toutes ses espérances. Elle aime prier et chanter le Seigneur, et nous vous remercions d'être là, au milieu de nous, aujourd'hui. Nous ouvrons notre célébration par le signe qui nous rappelle que nous sommes en route vers la croix glorieuse de Jésus et que nous sommes habités par les 3 personnes divines. Nous ouvrons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci à Monsieur le curé pour son mot de bienvenue et surtout pour son accueil si cordial dans votre paroisse. J'ai toujours été frappé par cette grande cordialité de votre curé. Et merci à Monsieur le Doyen d'être là, lui qui m'accueille chez lui pendant ces 15 jours, avec qui je vis et qui m'accompagne dans la plupart de mes pérégrinations à travers le doyenné de Messancy, et j'y trouve beaucoup de joie. Nous allons ensemble écouter la parole de Dieu qui est très belle aujourd'hui, très belle en ce 4e dimanche du carême. Nous allons célébrer l'Eucharistie qui est le cœur de la vie d'une paroisse et nous nous y préparons en reconnaissant tout d'abord que nous sommes tous ici des pécheurs et en confiant nos vies à la miséricorde plus grande du cœur de notre Dieu. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous voici, Seigneur, rassemblés en ton nom et réjouis par ton pardon. Illumine nos vies, éclaircis nos visages et nous témoignerons de Jésus, ton Fils et notre frère, vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous invitons les enfants à se rendre à l'oratoire pour le temps de la liturgie de la parole. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül, il ne règnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Éliab, un des fils de Jessé, et il se dit, « Sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé l'envoya chercher, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Thank you.
comme les chrétiens d'Éphèse, nous sommes appelés à devenir chaque jour davantage ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus, lumière du monde. Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux
Et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il peut voir à présent ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier, « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde
pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : Serions-nous des aveugles, nous aussi ? Jésus leur répondit : Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites : Nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. C'est nous qui sommes cet aveugle de naissance. L'histoire que nous venons de lire et qui est splendide, elle n'est pas du passé jadis, elle est d'aujourd'hui. Cet aveugle qu'un jour Jésus a guéri, cet aveugle, c'est aussi symboliquement l'humanité telle qu'elle est, incapable par elle-même de discerner, de voir la lumière de Dieu, aveugle de naissance. La rencontre entre cet aveugle et Jésus, c'est la rencontre entre nous tous et Jésus, la lumière du monde, la lumière de Dieu venue en ce monde. Saint Jean, en racontant ce récit de guérison, a rempli son texte d'allusions à toute la vie chrétienne, qui est un combat incessant entre la lumière et des ténèbres. Et la vie chrétienne pour Jean, comme pour nous aujourd'hui encore, elle commence avec une illumination. C'est un des premiers noms qu'on a donné dans l'Église au baptême. Le baptême s'appelait souvent dans les premiers siècles photismos en grec, c'est-à-dire en français l'illumination. Et il est très clair que Saint Jean, en racontant cette guérison, a accentué ce thème de la rencontre entre l'aveugle prisonnier de ces ténèbres et Jésus, lumière qui par le baptême illumine les croyants. C'est la raison aussi pour laquelle à plusieurs reprises, Jean insiste sur la piscine de Siloé et le fait que Jésus a envoyé l'aveugle s'y baigner pour retrouver la vue. Cette piscine où l'aveugle se baigne, elle est aussi symboliquement la piscine du baptême, car dans les premiers siècles de l'Église, comme encore aujourd'hui en Orient et comme parfois encore à nouveau en Occident, dans les premiers siècles de l'Église, on baptisait au sens propre du terme. Le verbe baptiser en grec signifie plonger dans l'eau. On baptisait par immersion. On descendait dans une piscine, dans un lieu qu'on appelait le baptistère. On descendait dans une piscine et pendant quelques secondes, on était entièrement immergé dans l'eau et
en émergeant de l'eau, on émergeait aussi à la vie nouvelle du Christ ressuscité. L'aveugle qui retrouve la vue, l'aveugle qui découvre Jésus, lumière du monde, en plongeant dans la piscine de Siloé, c'est évidemment pour Jean une illustration de la grâce du baptême. Et pour nous faire saisir l'enjeu de cette rencontre entre l'aveugle et Jésus, lumière du monde, Jean a employé toutes les ressources de son art de l'écriture. Ce récit est admirablement construit. On croirait assister à la scène prise sur le vif. L'aveugle est un homme tout droit. Il n'a jamais vu, mais il a l'esprit clair. Tandis que ses adversaires, eux, prétendent voir clair. Nous savons. C'est ce qu'il répète constamment. Nous savons que cet homme est un pécheur. Moïse, lui, nous savons d'où il est. Celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. Ils prétendent voir, alors qu'en fait, ils sont aveugles. L'aveugle, il ne voit pas encore physiquement, mais il a l'esprit clair. Les autres prétendent voir, et en fait, ils sont aveugles. Et comme le dira Jésus au bout de l'Évangile, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas comme l'aveugle né puissent voir, et que ceux qui prétendent voir, qu'ils soient clairs, qu'ils sont en fait des aveugles. » Puis vous avez vu comment cet aveugle rend son témoignage. Un témoignage qui va avec la répétition en se simplifiant. Au début, quand on lui demande « qu'est-ce qui t'a fait pour que tu vois ?» Il raconte tout. Il raconte tout en détail. En rapportant tout ce que Jésus a fait pour lui. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux, il m'a dit « va te laver à la piscine de Siloé ». J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Mais quand on l'oblige à répéter 36 fois son témoignage, il finit par le raccourcir au maximum. Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et j'ai vu. Et puis, au fur et à mesure qu'il rend son témoignage, cet homme s'enhardit. Au début, quand on lui demande « Mais qui est pour toi ce Jésus ?» Il dit simplement, il ne s'engage pas très loin, « C'est un prophète. » Mais lorsque les pharisiens insistent, alors avec une certaine impertinence, il va beaucoup plus loin dans son témoignage. Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et même, avec une petite pointe d'ironie, comme on lui demande pour la deuxième fois de redire exactement le même témoignage, il se permet d'ajouter « Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ?» Et le sommet de son expérience, c'est le moment émouvant, où il rencontre Jésus et le voit pour la première fois. Car quand Jésus lui a dit « Va à la piscine de Siloé », il ne le voyait pas encore. Et maintenant que Jésus le rencontre, une fois qu'il a été expulsé de la synagogue, et que Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il va se prosterner devant Jésus. Au début, il ne comprend pas. « Crois-tu au Fils de l'homme ?» C'est ainsi que Jésus s'appelait, qu'il se désignait lui-même. Il empruntait cette expression « Fils de l'homme » au chapitre 7 du livre de Daniel.
là où Daniel a vu venir sur les nuées du ciel un fils d'homme à qui Dieu remet tout pouvoir au ciel et sur la terre. Un fils d'homme plein de majesté, de grandeur divine. Et c'est toujours comme ça que Jésus se désignait lui-même, le fils de l'homme. Mais l'aveugle, lui, qui, il avait de bonnes excuses, n'avait pas beaucoup lu les Écritures et qui ne connaissait pas bien le prophète Daniel, ne sait pas bien de qui Jésus parle. Et il demande, « Et qui est-il, Seigneur, ce fils de l'homme, pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu le vois. » Il dit à l'aveugle guéri, « Tu le vois. » Et c'est lui qui te parle. Et sa réponse est merveilleuse. C'est une des plus belles confessions de foi de tout l'Évangile. « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Mes amis, nous sommes en route vers Pâques. Nous sommes presque à la moitié, à peu près à la moitié de ces 40 jours du carême. Nous sommes en route vers Pâques, en route vers cette nuit très sainte, au cours de laquelle, pendant les 5 premiers siècles de l'Église, on baptisait les nouveaux chrétiens, une fois par an. Pendant les 5 premiers siècles de l'Église, on ne baptisait pas comme aujourd'hui, à peu près n'importe quand, une fois par an, la nuit de Pâques, la nuit de la vie nouvelle, de la résurrection. Et c'est parce que nous sommes en route vers cette veillée pascale, vers cette veillée des baptêmes que l'Église nous fait entendre ce dimanche, cet évangile qui nous parle de l'illumination du baptême et de la piscine du baptême. Notez d'ailleurs que maintenant on y revient. Dans nos pays qui se déchristianisent, il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes. En France, ça devient même massif. En France, il y a plus de 10 000 adultes qui se préparent à recevoir le baptême, qui se convertissent à l'âge adulte. On va en baptiser à Pâques qui vient environ 1500 en France. Rien qu'à Paris, le cardinal Lustiger, depuis quelques années, au cours de la veillée pascale, baptise jusqu'à 100 adultes qui demandent le baptême. On renoue avec une très ancienne tradition, baptisée la nuit de Pâques, la nuit de la résurrection. Et cet évangile nous met dans cette route vers Pâques. Et le cœur du Seigneur, bien, il sera exaucé, il sera réjoui, si au cours de cette Eucharistie, nous pouvons faire nôtre l'acte de foi de l'aveugle guéri. C'est Jésus qui préside cette Eucharistie, c'est toujours lui, quand nous célébrons la messe, qui préside l'Eucharistie à travers le ministère de son prêtre, puisque c'est lui qui se tient là parmi nous ce matin, Jésus en personne. Pourquoi ne pas mettre nos pas dans ceux de l'aveugle guéri et avec lui nous prosterner devant Jésus et lui dire « Je crois, Seigneur. Je crois que tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je crois que tu es la lumière du monde qui éclaire tout homme ici-bas. Je crois que tu es la lumière de ma vie. Et devant toi, je me prosterne.
Ce dimanche qui nous annonce déjà la joie de Pâques, que notre prière porte tous les hommes meurtris ou découragés. Confions-les au Seigneur. Pour ceux que tu as choisis au service de l'Église, nous te demandons la grâce d'un ministère riche, fécond, heureux. Ensemble, nous prions. Pour tous les passionnés de vérité, nous t'implorons que ton esprit inonde leur cœur, qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout. Ensemble, nous prions. Pour les malades et les handicapés, et spécialement pour ceux qui se croient coupables de leurs souffrances, nous te supplions. Pour nous qui sommes devenus fils de la lumière, et pour tous les catéches humaines, nous te prions. Ravive sans cesse les dons du baptême. Ensemble, nous prions. Dieu de bonté, tu nous as montré en Jésus la puissance de ton amour. Vienne sur nous l'Esprit qui nous fait dire « Je crois, Seigneur », et nous chanterons ta victoire dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je rappelle qu'aujourd'hui, la collecte, notre geste de partage, est la première collecte du carême de partage. Je vous en remercie. Nous accueillons maintenant les enfants qui viennent de l'oratoire. Thank you.
jour, le soleil se lève sur le monde. Chaque jour, les hommes continuent à ne pas s'aimer. Seule ta lumière, Seigneur, peut illuminer le monde. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, donne-moi ton regard, que ta parole éclaire ma vie. Seigneur, éclaire mes yeux afin que je voie tous ceux que je n'aime pas assez, ceux qui ont besoin de moi. Seigneur Jésus, viens m'ouvrir les yeux dans la foi. Comme l'aveugle né, je voudrais croire en toi et marcher dans ta lumière. Sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne
toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Thank you.
gloire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, et notre évêque André Mucien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fils de la lumière, nous sommes déjà proches en Jésus de ce Père qui nous veut heureux. Nous lui adressons notre prière avec confiance en chantant. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et la venue dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce Jésus qui est notre lumière et notre paix, et cette paix nous la partageons fraternellement entre nous. La paix. Seigneur, pour que je croie en lui. Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Heureux les invités à ce repas du Seigneur, car voici Jésus, lumière du monde, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Gloire à toi, notre Père, pour cette Eucharistie. En elle, le Christ nous illumine de son amour. Nous t'en prions que nos yeux s'ouvrent sur l'infini de ce don et que notre vie rayonne de ta lumière maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous partageons les joies de notre communauté paroissiale. Hier a été baptisé en notre église Jean Mangin de Florennes. Cet après-midi sera baptisé en notre église Dylan Neulens de la rue de Longwy. Dans le cadre de la visite de notre évêque dans notre doyenné, je rappelle aussi la conférence sur l'avenir de nos communautés chrétiennes en la salle de l'église à Longeau, vendredi prochain à 20h. Après la messe, je vous demanderai de ne pas partir tout de suite, vu que Monseigneur souhaite aussi vous rencontrer, sauf si vous êtes vraiment pressé, mais c'est aussi l'occasion, il sera à votre disposition, au moins pour vous saluer. Je vous en remercie. Voilà, merci d'avoir pu célébrer cette Eucharistie dominicale avec vous. Ce m'est très agréable, en regardant l'Assemblée, d'y reconnaître déjà bon nombre de visages rencontrés ces derniers jours. Et j'aurai dans quelques jours l'occasion de retrouver dans son nouveau lieu de vie un autre fils d'Aubange, Mgr Matten, qui, comme vous le savez, habite désormais au home Saint-Joseph à Namur. Et je vais y aller le 19 mars au matin pour la fête de Saint-Joseph et j'aurai donc l'occasion de le voir dans sa nouvelle maison. Et le 19 avril prochain, au cours de mon séjour au Rwanda, je vais aller 15 jours au Rwanda du 8 au 22 avril, j'aurai l'occasion de célébrer la messe de funérailles de M. l'abbé Michel Gigi, dont le corps sera ramené dans sa paroisse de Cieza au Rwanda, celle dont il fut le curé. Son corps n'y est pas pour l'instant, mais son corps va être ramené là-bas et le 19 avril, j'aurai l'occasion de célébrer la messe pour cet autre fils d'Aubange. Après vous avoir béni, j'irai vous saluer à la sortie de la messe. Je demanderai à deux acolytes de s'emparer des petits souvenirs qui sont là et de vous les présenter. Un petit souvenir où vous trouvez mon blason avec l'étoile brillante du matin qui représente le Christ, la lune, la Vierge Marie, le pont de Jump à Namur, là où je suis né pour évoquer la province de Namur, le corps de Saint-Hubert pour celle de Luxembourg, dans la banderole ma devise en forme de prière, les tout derniers mots de la Bible, « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Dans la banderole ma devise, donc je viens de le dire à l'instant, en dessous un texte de saint Paul et à l'arrière un petit message de ma main. Je tiens aussi à vous remercier pour votre participation priante à cette messe. Merci à votre excellente chorale et à votre excellente organiste. Et puis à toutes les personnes qui font vivre cette paroisse, et j'en ai rencontré un certain nombre ces jours-ci, notamment déjà les catéchistes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce.
interprétait depuis l'église paroissiale d'Aubange la messe dominicale célébrée par Monseigneur Léonard en compagnie de l'abbé de Coster et de Monsieur l'abbé Welland, doyen de Messancy. Cette visite fait partie de la tournante de Monseigneur Léonard dans les différents doyennés du diocèse. Pour Radio Lorraine, depuis l'église paroissiale d'Aubange, Jean-Marie Louis.